Nouvel exercice et nouvelle croissance à deux chiffres pour Aradei Capital. La foncière cotée a vu son chiffre d'affaires progresser de 15%, son résultat d'exploitation de 16% et le FFO de plus de 17%. Nawfal Bendefa, PDG de Aradei Capital, revient sur les faits marquants de l'exercice. Une année dans la tendance de croissance que nous avons eue, une belle réalisation en termes de développement. Comme vous le savez, le développement qui est fait aujourd'hui n'a pas encore tous les fruits d'un point de vue rentabilité et rendement. On va les voir tomber dans l'année 2023, mais 100 000 m² rajoutés sur l'année, c'est sympathique. Une stratégie INS et surtout la partie sociale qui est consolidée aujourd'hui, mais aussi la partie environnementale qui a été clôturée, donc qui est annoncée, qui va vraiment rassembler toutes nos initiatives environnementales et sociales au sein du groupe, mais aussi avoir une belle gouvernance et une belle assise qui suit avec. Donc globalement, nous sommes ravis de l'année et puis excited pour 2023. Quant à l'année en cours, les perspectives demeurent positives. Ça démarre plutôt bien. Notre chantier de Casablanca a démarré. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un beau chantier, un grand chantier, nous, on s'excite. Nous avons un bon répondant de nos partenaires et nos clients qui, peut-être pendant une période post-Covid, étaient en mode attendant un peu, voyons voir, est-ce qu'il y aura de la croissance. Là, nous sommes en train de voir de l'intérêt. Nous sommes en train de voir un retour vers la croissance et le développement et le besoin des enseignes de se développer. Donc globalement, ça c'est très bien. Sur la partie santé, notre partenaire aussi, globalement une belle dynamique de croissance. C'est vrai que notre deal initial était sur un portefeuille réduit et là on est en train de discuter de l'expansion de cette assise et de ce partenariat. Donc globalement, quelques signaux positifs en début d'année.